Bonjour à tous, bonjour la communauté Teams. Nous sommes dehors, nous sommes sur un terrain, pas ceux dont vous avez l'habitude. Nous ne sommes pas sur au tennis, nous ne sommes pas sur un terrain de football, nous ne sommes pas sur un terrain de basket, mais nous sommes au déboulé sportif et nous y sommes pour une raison bien particulière. Alors depuis quelques semaines, on vous fait languir, on vous poste des photos sur Instagram, on vous parle d'une surprise qui va arriver, d'un truc énorme. On vous a souhaité bonne année en vous faisant un peu languir. Et aujourd'hui, c'est le jour où on va vraiment parler de cette surprise. Mais avant, pour que tout soit un petit peu cohérent, je vais rejoindre Génita Blaz. Bonsoir Génita. Bonsoir. Alors Génita, c'est la présidente de l'association Attaque par Adriposte, une association dont Teams est désormais très très proche. Présente-nous un peu cette association. Alors l'association Attaque par Adriposte, APR. Ah oui, pardon. C'est bon? Alors, l'association Attaque par Adriposte, dit APR, en fait, c'est une association qui a été créée, en fait, pour accompagner les sportifs de haut niveau qui participeront aux Jeux Olympiques de Tokyo, dans un premier temps. Et puis aussi, nous sommes là aussi pour encourager les sportifs aussi guadeloupéens en Guadeloupe et dans le monde. Voilà. Alors, plus qu'un accompagnement, vous êtes surtout des membres de leur famille. Effectivement, j'ai ma sœur Anita Blaz, qui est escrimeuse de haut niveau, qui fait partie de l'équipe de France, qui a été récemment qualifiée pour les JO. Donc j'ai créé cette association-là en fait parce que niveau financier, c'est pas toujours ça. Donc on souhaiterait aussi avoir des partenaires pour nous accompagner et aussi accompagner les familles et les athlètes qui sont en métropole ou dans un autre pays pour qu'ils fassent au mieux leur sport. Alors, vraiment, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'une délégation de famille se forme pour accompagner leurs athlètes de haut niveau aux Jeux Olympiques. Je crois que oui, hein, j'ai jamais vu ça en Guadeloupe. Donc, je suis fière de pouvoir créer cette association et aussi avec des amis, la famille qui nous accompagne, je trouve ça bien en fait. En fait, Génita, vous ne serez pas seule finalement à Tokyo? Parce qu'en fait, la rédaction de Teams Magazine accompagne Attaque par Adriposte aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la première fois qu'un média va sur une grande scène internationale pour parler d'un rendez-vous sportif incontournable. Alors non, nous n'aurons pas de direct d'escrime, nous n'aurons pas de direct de basket, ce sont des choses extrêmement réglementées, mais nous allons raconter... Nous allons faire vivre les tribunes des Jeux Olympiques avec cette délégation incroyable de 16 personnes qui partent encourager directement à Tokyo leurs athlètes, leurs membres, leurs sœurs, leurs frères, leurs fils, leurs filles. Nous serons avec elles et vous vivrez, vous, notre communauté en direct de Tokyo, leurs aventures, mais aussi l'aventure des athlètes, comment ils se sentent, les entraînements après les rendez-vous sportifs. On va aller les voir, on va aller prendre... des interviews et vous aurez tout ça dans différents formats. Bon, vous connaissez un petit peu déjà nos recettes. Vous aurez tout ça dans différents formats, quasiment en direct, et ce sera votre manière à la communauté Teams de vivre ces Jeux Olympiques. Voilà la grande surprise qu'on mijotait depuis des mois maintenant. Pour nous, c'est un grand plaisir, Génita, de vous accompagner. On est honoré que vous nous ayez choisis. Nous aussi, et puis vous êtes un groupe qui venait de se créer, donc c'est aussi bien aussi de vous accompagner, aussi d'accompagner les jeunes aussi avec nous. Donc on espère que là-bas ça se passera bien et qu'on pourra bien relayer ce que les Guadeloupéens font là-bas, en termes de médailles ou pas, on ne sait pas, on verra sur place. Et puis voilà, donc je pense que l'aventure sera belle et qu'on va s'amuser, qu'on va crier, qu'on va encourager nos sportifs comme il se doit. Pour cette grande aventure, Génita, vous l'avez dit, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de soutien. Cette vidéo, c'est aussi pour vous qui faites du mécénat, qui faites du sponsoring et qui avez envie de participer à ce challenge personnel. Il y a le challenge sur les pistes et il y a le challenge que les familles se sont donné. À ce challenge qu'on s'est tous donné, vous êtes les bienvenus. On vous mettra certainement très rapidement les informations pour participer. En tout cas, nous, aujourd'hui, mercredi, on lance le décompte avant Tokyo, avant le Tokyo Mojo. Décompte, c'est parti. À bientôt. À bientôt.